Dans le monde, joyeuse fête de l'indépendance. Voilà, je suis avec Eddy Malou, le savant congolais, pour parler de l'indépendance. 56 ans après de l'indépendance. Eddy Malou, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, absolument, 56 ans doivent être élucidés, recalcifiés, réhabilités, remis en question. Cette journée grandiloque est essentielle. Qui nous occuperait pour remettre les choses à jour. Ce n'est pas dans la vocalité que nous devons parcourir les événements de la République démocratique du Congo à partir de 1960 à nos jours, 56 ans. Nous parlâmes plus de la gériatrie. Et d'ailleurs, je vous dirais que nous devons faire un effort dans cette période de crise. Comment réagencer politique de plusieurs rêves, remettre le pays à jour. On dit 56 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et comment vous trouvez les Congos? C'est pas 56 ans, c'est déjà un papa. Il peut avoir des petits-fils. Mais l'État congolais, c'est un bébé ou un papa responsable? Oui, nous devons quitter le monde juvénile. Nous n'avons pas du tout progressé. Ça, nous devons dire vrai afin que nous puissions chercher des solutions. Mais Eddy Malou, vous êtes congolais. Quel est votre effort pour l'évolution de votre pays, M. Eddy Malou? Déjà projeté, nous devons diminuer les zones de distraction. Imposer ce qu'on appelle les normes sur l'essence même de la recherche de la panacée, le pays autour de dogmes tels que la congolexicomatisation de loi du marché peuple congolais, la congolitarationalisation axisaliste comparée dans le corollaire absolu, science, art et métier, travailler ensemble, ensemble c'est Dieu. Lorsque nous allâmes mettre Dieu en exergue, pas parce qu'il y a de petites églisettes que je n'aime pas parfois, parce que nous devons d'abord parvenir à créer ce qu'on appelle le traditionnalat. Le Congo était où, va où, le Congo est dans quel sens? Le pays est en crise, mais nous devons chercher à réagencer, trouver les voies et moyens. Comment? Dans la pentathématique sous-sol, sol, nature, air, planétaire, et puis le WADA. L'administration doit être relucidante et maintenant remettre chaque chose à sa place. Il nous faut des inventaires. Vous êtes ingénieur. Vous avez vu que tout se passe par informatique. Information à la minute. Le pays est capable de produire quoi sous-sol. Le pays peut relancer ce qu'on appelle Bukangalonge dans toutes les provinces à la minute. Le pays est capable de reproduire quoi des tels que nous avons des écoles secondaires. Nous avons les Kekilal et les Bukavu. Comment relancer ce qu'on appelle des feuilles pour la malaria, le paludisme? Comment relancer ce qu'on appelle les aires planétaires avec Kimpavita? Nous avons moins. Vous dites comment, mais répondez vous-même. Je dis qu'il nous faut une administration déficitaire, d'efficacité, d'efficience. Pour le moment, nous devons bien payer les fonctions. Nous devons beaucoup produire. Le pays est grand, mais il peut être petit lorsque nous n'allons pas produire. Mais Eddy Malou, répondez-moi, vous êtes congolais ou pas? Absolument, mais le niveau était. On vous contrôle par les savoirs. Nous pouvons être congolais, mais le monde nous considère plus au-dessus. Et pour vous rapprocher vers des reproches. Les rapprochements des reproches veut dire quoi? Quand il y a des erreurs, nous devons les corriger. Le Congo n'a pas besoin de sentiments. Pour le moment, nous devons vite parvenir à créer des emplois qui vont permettre à tout Congolais, à ceux qui mangent bien. Vous avez remarqué aujourd'hui, par exemple, le 30 juin, mais les gens ne sont pas du tout dans ce qu'on appelle dans l'ISS de se réjouir. Ils sont seulement là, ils voient que c'est une journée comme tout autre. Mais or, ça doit différencier toutes les journées possibles. Hein, maintenant, c'est un sens qui passe dans l'histoire, mais les gens doivent bien savoir comprendre l'historiographie républicaine. Le Congo commence à être en 1960, de 1960 à 1970, de 1970 à 1985, 2010, déjà 6 ans passés. On a défilé sur le bout. Malgré tout, il y a la rondelade qu'on fait, c'est bien. Moi, je ne suis ni opposant, ni... je suis centriste. Mais vous imposez... La société civile. Mais vous imposez ça, j'ai dit, hein, moi, hein, je suis obligé de vous regrouper au stade, là. Vous donnez cours dans tous les domaines. Hein? Vous êtes sûr, Eddy Malou? Je vais donner 100 cours, toute la République. 100, mais, bon, d'accord. 10 heures à minuit. Mais on parle de 56 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. On était le 30 juin 2000,
les 30 juin 1960 et les 30 juin 2016, donc 56 ans, il dit Malo. Oui, ça nous reste 40 pour faire la centaine. Nous amène les Congolais vers les calculs, parce que je sais que jusqu'à là, ils ont des difficultés. Congolais, hein, moi je dis, vous avez des difficultés dans tout. En tant que savoir connu dans le monde, vous avez des difficultés hein, dans tout. Acceptez d'abord. Mais quelle est la solution que vous pouvez proposer, M. Dumalo? À la place des zéros, nous remettons déjà 10. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons reconnaître que l'homme a commis des sens. 5 sens. S'il y a un sens qui ne tourne pas, on est déjà handicapé. L'homme doit bien parler, l'homme doit bien écrire, l'homme doit bien écouter, l'homme doit bien tâter. C'est-à-dire, lorsque vous êtes insensible, c'est une maladie. Nous sommes là, nous croyons que lorsque nous sommes handicapés, en boitant à cette passion, nos pattes. L'homme congolais a des difficultés dans tout, mais il veut se prétendre. Non, quitter le monde de ce qu'on appelle du futilisme, du pentagrilisme, la dyschromatie, la kleptocratie. Je ne veux plus ça. Moi, en tant que savage congolais, 56 ans, voilà comment ça nous a menés vers la matamatave vie. Ce n'est pas bien. Soyons simples, reconnaissons à tout prix que nous sommes en difficulté. Nous devons chercher des voies. Il dit Malou, il vous comprend. Si vous êtes, vous faites parmi les gens qui sont en difficulté. Vous voyez, vous n'êtes même pas véhiculé, vous marchez en pied. Mais j'accepte que moi-même, écoute, je ne peux pas me prétendre dire que parmi les savants du monde, que Edi Malou, c'est un multimilliardaire, non? Je dis que... Vous savez, il y a des gens qui vous suivent à travers de l'Internet et peuvent vous aider. Oui, envoyez-moi commencer par 1 million, ça c'est le dernier montant. Donnez-moi 1 million, voire même 1 milliard, même si vous pouvez banque centrale, donnez-moi même la moitié de la banque centrale pour que je vous aide. Parce que même si le temps que l'ONU va m'enrichir, je ne peux pas venir me prétendre à la télévision que je suis parmi l'homme le plus... Mais je suis riche par rapport à la capacité. Ici au Congo, en richesse, si on doit parler de la compétence mentale, c'est moi le premier. C'est vrai, Edi Malou. Oui, c'est moi le premier. Mais l'argent, quand je vois qu'il y a des... Edi Malou, moi je veux que vous regardez la caméra. Oui, je regarde. Passer un message à toute personne parce qu'on reçoit les appels, les gens qui appellent à partir de la France, de la Belgique, partout ouais, au monde entier. C'est le monde entier qui m'appelle, ça c'est vrai. Mais non. Mais je dirais que... Ils veulent vraiment nous aider. Oui. Mais on ne veut pas des millions demander quelque chose. Non, donnez-nous d'abord, commencez même par envoyer, s'il vous plaît, même 1 milliard de dollars. Parce qu'il y a des gens qui se prétendent dans le monde. Mais le monde, c'est nous qui le dirigeons. Nous dirigeons la terre entière. Dit, mais vous pouvez demander même le matériel. Oui, envoyez-nous d'abord des caméras pour que nous puissions encore rééduquer la population congolaise qui a des difficultés de comprendre ce qui est lancé. Vous voyez, les lois peuvent être votées au Parlement. Est-ce que le Congolais les comprennent? Surtout lorsque nous parlons de plusieurs articles, ça leur dérange les têtes. Les Congolais n'ont besoin que de 7 articles. N'ont besoin que de 10 commandements de Dieu. 10 commandements de Dieu. Quand vous montez de l'ordre de 250 articles, qui va interpréter ça? Ils ont des difficultés dans tout, les Congolais. On parle de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas quel est votre monde de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est pas aujourd'hui, parce que nous devons toujours transcender l'universalité autour de... Mais pour aujourd'hui, je dirais que les Congolais, nous devons quitter le monde de sentimentalité. Ça ne m'intéresse pas. Soyons simples, Dieu va nous aider. Dieu va accomplir ce qu'on appelle des capacités dans nos têtes, là. La richesse du pays ne peut dépendre que de nos capacités. Or, jusque-là, le Congo n'a pas de capacitariste. Ok, merci monsieur. Merci monsieur Dumalou. Ciao.